Ça doit être l'endroit dont parlait Cordova. On va s'arrêter. Pas les seuls à chercher quelque chose ici. Tu crois que c'est Dagan? Tu crois qu'on peut traverser avec ce courant ascendant? Ceux qui posent des questions trouvent des réponses. Bienvenue, Jedi. Dans chaque monde auquel la République tend la main, il existe des opportunités de partage et d'apprentissage. Et cette planète a beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce que t'as appris, Santari? Je me demande quel secret renferme cet endroit. De la matière de Kobo. Il y en a partout. What?
Ce n'est qu'en travaillant ensemble que la République et l'Ordre Jedi pourront comprendre les mystères de la galaxie et les mettre au service du bien commun. La Force est notre guide. Ça ressemble à l'Ordre, tel que je m'en souviens. Tout ce que Kree a construit ici a été détruit par une catastrophe qu'elle n'avait pas prévue. Parfois, j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. J'ai entendu Maître Kree parler de son projet pour l'Abysse. Il n'est pas bon d'espionner les conversations, ni de ragoter. Oui, Maître. Mes excuses. Autre de nettoyer. On devrait pouvoir utiliser le courant ascendant pour atteindre l'autre côté. Je commence à m'inquiéter pour ce projet. Nous n'avons pas à le remettre en question. Même les Padawans sentent que quelque chose ne va pas. C'est du bon matos. Ridicule. Le voilà. Tu me le paieras. Il est trop tard. Joli. Ah. À vous de jouer. C'est pas fait, je vais attendre. C'est mieux que ça. Bienvenue, Jedi. Des ennemis de la paix menacent la frontière galactique et notre République. Lorsque nous aurons passé l'Abysse, Tanalor pourrait être un bastion duquel nous repousserons cette menace. Un symbole d'espoir et de justice pour la bordure extérieure. Tanalor était plus qu'une mission pour elle. C'était le rêve d'un avenir meilleur. Pareil que Zed peut le déchiffrer pour nous. Ah.
J'ai fait aussi vite que possible. Mon maître est exigeant. C'est bon, t'as pas à t'en faire pour ça. Pas ici. On peut atteindre le sommet maintenant. Allez. Gaffe où tu regardes, petit. Le terrible poisson raie peut étourdir sa proie avec un rayon de lumière aveuglant. Rassure-moi, t'as un plan quand même. Calme, petit. Parfois j'oublie que t'es qu'à moitié cuit entre les branchies. Ben, le poisson raie a attiré des pêcheurs moins sympas. Une fois, il y en a un qui a daigné en garder un en aquarium. Aïe, mais l'autre noble n'a pas eu chance. Elle a présenté un poisson raie à un gala, et l'invité d'honneur, un sénateur. Ah, a perdu la vue en regardant dans l'aquarium. Aveuglé par sa cupidité, hein? Hein? Oh ouais. Eh ouais, 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 bien vu. Tu l'as dit. Bon, ça suffit. Alors tu veux savoir ce qui s'est passé sur le Grapnel avec l'équipage du capitaine Wan Yekwet? Je t'écoute. Ah, ma carrière a commencé en trombe. Au moment où le Grapnel est arrivé en orbite, ses sirènes ont retenti. Un navire de la marine plein d'agents a surgi des étoiles pour nous accoster. Qu'est-ce que ça veut dire, a grogné le capitaine? On n'est que des pêcheurs. Vos codes de transpondeur disent pas ça, qu'ils ont répondu. Vous êtes sur un navire signalé volé. Ah, vous nous avez attrapés, a dit le capitaine. Montez à bord et je rendrai ce qui a été volé. Mais à peine les marins avaient posé le pied sur le pont du Grapnel, que voilà, le capitaine les a harponnés comme un poisson à la manche. Alors, tu peux pas faire ça avec ta canne à pêche, hein, m'a dit le capitaine avec son sourire sadique. J'ai honte de dire que j'ai ramassé le harpon ce jour-là. Pendant des années, j'ai pas rejeté un poisson à l'eau après l'avoir attrapé. Enfin, c'était jusqu'à... Bah, je t'ennuie à mourir. Je continuerai mon histoire plus tard, gamin. Oh!